Et à la une de cette édition, tout d'abord, c'est la pleine période actuellement pour les grands départs en vacances, mais les tests aussi et la saison des cambriolages, malheureusement. Alors à Roubaix, pour lutter contre le phénomène, depuis le mois de juin, une cellule d'enquête spéciale a été mise en place par la Sûreté urbaine. Cette brigade est composée d'un binôme de policiers spécialisés et qui, lors d'un cambriolage, viennent interroger le voisinage plusieurs heures après les faits. Et en civil, il s'avère en fait que la population est alors plus propice à livrer des informations. Ces deux policiers font aussi des tournées régulières dans les quartiers des rondes pour sensibiliser les riverains et les informer de tous les bons conseils en la matière. Il s'agit là d'une première expérimentation à Roubaix, mais qui pourrait être élargie à d'autres villes au vu des bons résultats déjà enregistrés. Écoutez ainsi les explications de ce policier, de cette brigade à Roubaix, Didier Vanet, au micro de Macha Grenessen. Voir si ils ont connaissance des horaires de travail de la victime ou des choses comme ça. Tout ce qui peut faire avancer l'enquête. La victime, est-ce qu'elle est habituée? Est-ce qu'il y a une femme de ménage qui passe? Est-ce que... tout ce qui peut orienter l'enquête en cours. Ben, c'est juste important, nos voleurs sont devenus de plus en plus professionnels. Le travail de la police technique et scientifique est de plus en plus ardu. Et on compte bien sur les voisins pour nous donner un renseignement, un détail qui peut arranger nos affaires.